Alors aujourd'hui Ravin Guillaume, pour l'instant on est dans la montée de la Col Saint-Michel, après on se dirigera vers Péresque et on ira récupérer le chemin à la ferme du Fontanil. Alors juste après le Fontanil, on vous montre la bifurcation pour le sentier parce que rien n'est marqué, c'est pas évident. En fait sur la piste, voilà, le sentier commence ici, on aperçoit le marquage sur l'arbre là-bas. Ah ouais d'accord. Voilà. Au niveau du panneau qui est là, on va dire. Verdon est bien indiqué à droite. Là où ça vient de vous montrer l'autre panneau. On tourne là à droite. C'était là. Alors le passage de barrière électrifiée. Apparemment non. Non. Apparemment si. Pourquoi des fois ça pique et des fois non? Parce que c'est pas continu, c'est de temps en temps. Ça a piqué à travers le gant. Mais marche dessus. Voilà. Chance, ça devient rien, c'est pas de bordel. Et voilà le travail. Maintenant vous savez comment il faut pas faire. Faire les cailloux comme hier. Ça ferait mieux. C'est super raide là, je vous confirme. Le même passage. Beaucoup plus élégant. Ouais. Dans le départ de la descente, il y a la ferme là. Fontanil. Normalement, il est un lacet. Toujours le balisage rouge. Dans le Verdon. Jacques doit être lacé juste devant. Voilà. Pourri le chemin là-haut. Hein. C'est pourri là-haut. Alors Robert, dans un passage un peu trialisé au niveau de l'épingle qui arrive. Pourri le chemin là-haut. Hein. Ah non.